Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un feat, un nouveau feat, un feat qui vient de sortir il y a un jour. Ash the Best featuring Deep Dundoogies, grosse connexion, même parmi les plus grosses qui est possible de faire au Sénégal. S'appelle, je sais même pas comment on le dit, Rare, extrait de l'album de Ash the Best. Fi Foufi Jude Beg, c'est comme ça qu'il est écrit. On va regarder un peu cet album. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça donne comme info? C'est sorti officiellement hier. On a des feats de Deep, de Aubrey Daman, Walibi Sek, Amadeus. Et voilà, après il y a combien? 13 tracks. Donc voilà, c'est plutôt équilibré. 4 feats. Et 4 feats, et du coup, bah, le reste que des solos. Et Fi Koufi Jude Beg, tiens, je vais regarder, ça veut dire quoi? Je sais pas si je vais trouver une description par rapport à ce truc-là. Il est où mon traducteur Wolof là, que je l'avais là? On va voir, ça veut dire quoi? Et voilà, il est perdu. Il est perdu, ça y est, il avait trop de mots pour lui. Donc sûrement vous allez me trouver, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc si vous me savez exactement ce que ça veut dire, j'imagine, avec la communauté qui est présente sénégalaise. Donc dites-moi ce que ça veut dire ce titre de son album, Fi Koufi Jude Beg. Ok, donc grosse connexion. Qui c'est qui a la prod? Et du coup, avant de commencer, n'oubliez pas que HS The Best est en concert à Paris, à la Cigale, le 4 mai prochain. C'est dans une semaine, hein, exactement. C'est dans une semaine, c'est samedi prochain. Et voilà, c'est ouf, hein. Et juste le 3 mai, juste le jour d'avant, il y a Deep Dundoogies qui est aussi à Paris, au Point Fort d'Aubervilliers. C'est ouf. Franchement, ça fait plaisir, hein, de voir des artistes sénégalais qui viennent à Paris défendre leur projet, défendre leur son, leur valeur, leur culture, et de faire plaisir à tous les fans sénégalais et ceux qui kiffent leur musique à Paris. Franchement, je suis content de voir ça, hein. En 2 jours, t'as déjà deux gros événements, et même le 5, je croyais, à Côte d'Ivoire avec la Team Peya, etc. et tout. Donc franchement, c'est bien que tu vois les artistes africains se déplacent et viennent promouvoir. C'est ça qu'il faut faire. Donc franchement, j'encourage très fortement. Donc n'oubliez pas, Ash The Best est en concert à la Cigale à Paris samedi prochain. C'est ça, c'est samedi, hein. C'est samedi prochain. Donc il y a les places encore de dispo. Donc n'hésitez surtout pas. Pour ceux qui kiffent Ash The Best, c'est une dinguerie. Donc je pense que les Sénégalais vont se régaler. Oh là, magnifique, magnifique transition. On se quitte dessus, on se quitte sur cette introduction et on y va. Il fallait faire une belle introduction quand même. Grosse connexion. Ash The Best featuring Deep Dundoogies, Rare. Alors comment ça part? Déjà on voit le délire des deux. Ça peut être que je sens des bonnes vibes. Oh là là, hey, c'est une dinguerie déjà. Ouh, les instruments, comment ils font mal. T'entends les instruments en live direct là. Le mixage est magnifique. Je mets une pause, je me dis pourquoi ils ont pas fait un concert ensemble en duo, ça aurait été juste énorme. Franchement, ça aurait été trop bien qu'ils puissent faire ce feat ensemble dans les deux concerts différemment. Mais oh, franchement, déjà le son il est juste incroyable. La douceur de sa voix et tout. Oh là là! La voix qu'il a, c'est dingue. Yo. Hey. Hey. C'est l'ampoule de mon
L'intro, l'arrivée, ce type dessus magnifique. Oh là là, wesh, c'est quoi cette dinguerie? Wouhouhou. Oh là là, c'est dinguerie, c'est dinguerie. Il aurait dû balancer le clip, wesh. Putain, c'est quoi ce style? On part en... Je sais pas comment on appelle ce style là. Ce style un peu latino, tu vois, qui est... Je sais pas, en rumba ou je sais pas. C'est énorme le délire. Oh là là. Ça en live, poto. Tu fermes les yeux, tu te régales. Ah, franchement, magnifique. Hein. C'est magnifique. Ah, ouais. Ouh, la prod, comme elle repart derrière. C'est une dinguerie monumentale. C'est ouf ce qu'il a proposé, wesh. Je m'attendais pas à un truc comme ça en fait. H the Best featuring Deep Dundukis, Rare. Extrait du projet de H the Best, Fi Koufi. Comment on dit ça, Jude Beg. C'est une dinguerie tout simplement. T'entends les instruments qui ont été enregistrés en live dans le studio. Enfin, si c'est pas en live, franchement, bravo. Hein. Je sais pas comment il a fait. Hein. Mais en tout cas, tu sens les instruments en live, on dirait. Le mixage a été juste incroyable. Ce morceau, il te fait... il te donne des frissons, poteau. La voix de la chaise de baisse, cette fragilité, cette douceur. Et le côté du flow technique de Deep, c'est fou. Franchement, les deux mélangés. Ah, franchement, est-ce que ce serait peut-être pas l'un des plus beaux feats de l'année? Question à se poser. Franchement, grosse dinguerie. Évidemment, les ceux qui kiffent le rap, peut-être ils vont avoir du mal parce qu'elle est très très douce, la musique, tu vois. Et il y a un côté même un peu, je sais pas comment on appelle ce style de musique, j'ai zappé le nom. Côté rumba, tu vois, un peu style un peu cubain, je sais plus comment on appelle exactement, tu vois. Quand ça part comme ça. Tu vois, forcément, les amateurs de rap, ils vont pas trop capter le délire, peut-être. Mais ceux qui aiment la musique, passionnés de musique, ils vont se régaler. Je trouve qu'au Sénégal, il y a beaucoup de passionnés de musique, pas uniquement de rap. Et je trouve qu'ils arrivent quand même à s'adapter, les auditeurs, à un style varié, tu vois. Pas juste à un seul style, mais à plusieurs styles. Et je trouve qu'ils ont une facilité d'ouverture en termes de genre, de délire, tu vois. Qui c'est qui oserait faire un truc comme ça, tu vois? Tu pars dans un truc. Il y a une bonne rythmique, tu vois. Ça sent bon les vacances, ça sent le soleil, ça sent les plages, ça sent un côté exotique. Et carrément, ça part. Là, t'es en mode, t'es en train de danser carrément avec ta partenaire, quoi. T'es en train de danser avec ta go-cam en mode vraiment gros salsa, tu vois, côté salsa. Peut-être c'est un peu ce délire-là. Dinguerie. Franchement, je suis émerveillé par la vision artistique de H.S. de Bess et Deep, évidemment, parce qu'il est dessus. Mais franchement, les deux, ils ont fait un taf incroyable. Hein. Incroyable. Deep Dundukis, il a respecté le son, il a respecté cet environnement musical et H.S. de Bess, il a régalé avec ce,
cette idée lumineuse. Je sais pas si c'est les deux qui ont eu cette idée, ou bien il y a des vidéos qui tournent du studio ou pas de ce titre, mais c'est une dinguerie. Franchement, moi je suis pas juste amateur de rap ou de style urbain, moi je suis amateur de tout. Je peux écouter de la variété française, de la variété américaine, des sons doux, des sons légers, des sons lover, des sons romantiques, des sons même classiques, des sons de l'ancienne époque, nouveau. Moi je suis un passionné de musique quand c'est bien fait. C'est pour ça aussi que je suis sur cette chaîne. C'est pour faire partager ma passion de la musique à travers des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai de la facilité à aller aussi sur un autre continent que j'ai pas forcément j'ai pas découvert auparavant. Et tout me va, tu vois. Je kiffe, je prends plaisir à écouter et je me régale. Et ça, il n'y a que des passionnés de musique qui peuvent avoir une analyse, une réaction vraiment intéressante et se dire: ah ouais, mais j'ai eu la même réaction que ce gars-là quand j'ai écouté. Mais c'est magnifique. C'est magnifique ce que propose H.E.S The Best sur ce titre. Rare avec Deep Dundugis, c'est une dinguerie. Franchement, pour moi, c'est peut-être musicalement parlant l'une des plus belles collaborations de cette année. Et voilà. Après, voilà. Évidemment, tous ceux qui aiment bien le côté urbain, rap, etc., vont avoir du mal, forcément, parce qu'il n'y a pas de côté urbain. Il y a une petite. Il y a les drums qui sont un peu. Non, même pas. Même pas. Il y a des petits passages là, juste dans certains moments, comme à la fin là, t'entends les basses un peu plus présentes. Tu vois, un peu plus technique, on va dire. Mais c'est une douceur, c'est une vibe, c'est un feeling. Tu vois, c'est une dinguerie. Franchement, c'est incroyable. Et il a grave intérêt à le clipper celui-là parce que c'est vraiment une pépite, une masterclass. C'est une dinguerie. Ça, tu paierais juste pour aller voir ce titre. Tu paierais pour aller voir ce titre. C'est de la folie ce qu'il a envoyé. Franchement, j'applaudis. Et tu sais très bien que quand j'applaudis, c'est que c'est incroyable. Donc bravo. Compositeur, mix, mastering, Nautilus, prod, c'est gigantesque. Mind 7, H.E.S The Best, Deep Dundugis, c'est la folie. Le rap Galsen, la musique Galsen, le son Galsen, le Sénégal, tout simplement. C'est ouf, franchement, feat de l'année, tu vois. J'ai même pas besoin d'aller tricher dans mon analyse. Que ce que je dis, les gens le disent déjà en commentaire. Feat de l'année qui est d'accord. C'est de la folie, c'est de la folie. Tu vois, et c'est là, tu vois, que je vois que je suis pas faux, tu vois. Et ça fait plaisir, tu vois. Quand moi, ce que je pense, sans aller analyser, commenter, voir les commentaires, voir les retours qu'il y a eu, et je vois que les premiers commentaires feat de l'année, c'est que je me dis: ah, je suis pas fou, quand même. Je suis pas fou, tu vois, je kiffe le son. Et j'ai une certaine crédibilité désormais depuis. Et tu vois, ça se confirme toujours et encore, tu vois. Feat de l'année, le deuxième commentaire, il a déjà 60, plus de 64 j'aime. Et voilà, ça valide tout ce que j'ai dit. C'est de la folie. H.E.S The Best, le meilleur de sa génération, c'est du lourd cet album. Et tu vois, quand j'entends ça, je me suis dit: mais qu'est-ce qu'il a proposé avec son album en vrai? Parce que j'ai pas écouté encore son album et il est sorti depuis hier là. Bah, j'ai pas encore eu le temps de mettre une oreille dessus. Mais tu vois, ça me donne encore plus envie d'aller écouter ça. C'est de la folie ce qu'il a proposé. Ce mélange de deux goths, quand je vois le commentaire là, qui se rencontrent, c'est parfait. Ça donne sa masterclass. On attend le clip fort. Franchement, feat de la. Tu vois, les commentaires le disent encore et encore. C'est le feat de l'année. Et encore, tu vois, c'est pas parce qu'il y a deux noms, tu vois, connaît leur valeur, tu vois, sur le game sénégalais, même continental, même international. Mais c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, surtout, c'est s'il y a des amateurs de deep. Bah parce que Deep, il est très peurat, tu vois. Après, sur son dernier projet, il était plutôt varié quand même. Mais la plupart des sons, c'est plutôt un rappeur, tu vois. Mais après, voilà, c'est un artiste. Mais bon, ma question, pour ceux qui sont encore là sur la vidéo, c'est: si vous kiffez le rap, du rap dur, je sais pas moi, du rap vraiment dur, avec une prod vraiment qui tabasse et qui voilà, gros drill, trap, etc., tu vois le délire.
Est-ce que comment vous ressentez ce son-là? Moi, c'est ça ma question. C'est les amateurs de rap. Moi, j'ai l'impression que c'est dur en tant qu'amateur de rap de valider. Jamais t'écoutes que du rap, évidemment. Jamais tu écoutes que de la trap, de la drill, tout ça. Tu te mets en mood toujours drill trap. Est-ce que t'as de la facilité à écouter ça? Je sais pas. Moi, c'est une question que je me pose. Je sais pas si vous pouvez me répondre à ça. En tout cas, c'est une question que je me pose. En tout cas, moi, personnellement, je me suis pris une grosse claque. C'est une masterclass de HS de Best qui a ramené Deep Dundoogie sur ce titre. Évidemment, au niveau du feat, tu te dis, il faut absolument que j'écoute ça. Mais est-ce que ça va être à la hauteur? Tu vas dire, ouais, ça passe bien. Ça, c'est bien fait, tout ça. Ça peut être bien fait. Il y a une belle vision. Mais là, c'était plus que ce que j'attendais. Hein. Franchement, la vidéo va faire 15 minutes, j'imagine, là. Je vais regarder quelques autres commentaires encore. Quelles chansons, les deux sont les meilleures du hip-hop Galsen. Deep Dundoogie, un grand bravo à HS2B CD pour leur collaboration exceptionnelle. Leur travail conjoint a été tout simplement remarquable. Unissant les genres musicaux avec maestria, créativité, que cette réussite soit la prélude à de nombreuses autres collaborations fructueuses. Ensemble, vous portez haut les couleurs de la musique sénégalaise et c'est tout le pays qui en profite. Félicitations et bonne continuation. Le meilleur feat, donc, Deep qui es-tu? HS de Best, toujours aussi original cette métaphore qu'il utilise dans ses sons et ne cesse de surprendre. C'est vraiment une dinguerie. Franchement, grosse force à tous ceux qui kiffent le son Galsen, la musique Galsen, et tous ceux surtout qui vont aller voir leur concert la semaine prochaine. Prenez vos places. Je sais pas si on aura l'occasion de voir peut-être ce feat se réaliser devant nos yeux en live. Pendant le concert, sachant que les deux sont en concert à un jour d'intervalle, c'est pas du tout impossible. Et franchement, peut-être que si jamais vous les harcelez sur Instagram, sur TikTok, sur leur réseau où ils sont les plus actifs, peut-être qu'il y a moyen, peut-être qu'ils fassent dans chaque concert peut-être ce feat-là. C'est pas impossible, hein. Mais franchement, je pense que ça ferait tellement plaisir à tous ceux qui se déplaceront, franchement. Et ouais, franchement, grosse force. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce titre, de ce titre? Et est-ce que, pour ceux qui écoutent du rap toujours, qui sont très très rap, très drill, très trap, tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé de ce titre? Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est incroyable? Est-ce que et ouais, est-ce que les Sénégalais ils ont une ouverture d'esprit au niveau de la musique? Parce que c'est vrai qu'ils ont chez eux beaucoup d'artistes qui sont polyvalents en termes de genre, tu vois. On n'est pas que dans le rap, on n'est pas que dans le côté dur tout le temps. Il y a de la douceur, il y a de la légèreté, il y a pas mal de choses. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a une belle culture musicale en tout cas dans le son Galsen et ça fait plaisir à voir. Et voilà, donc voilà, moi je parle avec le cœur, je parle avec ce que j'entends. Quand j'écoute la musique, ça vient tout seul ce que je dis. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de préparé. Donc voilà, en tout cas, gros shout-out à tous les Sénégalais, Sénégalaises qui nous suivent, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. On a ouvert la page Facebook aussi dernièrement. Donc voilà, merci à vous en tout cas pour le soutien que vous nous faites depuis, que vous me faites. Je suis pas en équipe, je suis tout seul, que vous me faites depuis ces années. Et on continuera à tenir ce son Galsen toujours présent, en tout cas sur cette page, sur cette communauté. Et c'est vous qui la faites en vrai. Voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao. Et Sénégal, rec, comme on dit!